En plus, le mec avait limite 50 ans. Grave. Il voulait un Tamagotchi, c'est pour les enfants. Et là, je rigole vraiment pas, je le vois, j'ai envie de chialer. Je vais pouvoir prendre des photos et mettre des beaux petits polaroids sur le... Hey tout le monde, on espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec Madame Lilou. Aujourd'hui, attention vos oreilles parce qu'on est trop excités. Donc, je dirais qu'on est trop excités, c'est un truc de malade. Parce que vous allez voir, on a réitéré les commandes, vraiment énormément de commandes. Je crois que cette vidéo arrivera en deux parties. Donc il y aura une partie comme vous voyez, des choses à esthétique kawaii qu'on a trouvé, qu'ils ont fait le buzz sur TikTok, donc que vous voyez là. Et il y aura une autre partie demain ou la semaine qui vient, où cette fois-ci ce sera des articles à esthétique kawaii tout simplement qu'on a réussi à choper. Et il y a des trucs, mais vous êtes pas prêts. Petite disclaimers. Aujourd'hui, j'aime bien faire comme les autres youtubeuses. Disclaimers, caca. Ouh, oh, c'est quelque chose que je dis jamais d'habitude. Oh là là. C'est bon, il n'y a personne, on peut continuer. On a acheté tout ça car on a ouvert un nouveau compte TikTok où dessus on fait de l'ASMR cute kawaii et il me fallait déjà des choses à déballer. Donc tout ce que je vais vous montrer sera aussi en déballage ASMR sur mon compte TikTok que je vous mets juste ici. Donc rejoins-moi. Mon compte Instagram que je te mets ici. Donc rejoins-moi. Abonne-toi. C'est gratuit, ça fait plaisir et comme ça on est une grosse famille. Et moi j'adore tout ce qui est grosse famille. Du coup on fait tout ça car on va faire un coin kawaii dans la chambre de Lilou. Une chambre cute. Tu dis, moi je dis. Je me tais tout de suite, like la vidéo et on la commence. Alors aujourd'hui on a 13 articles à vous montrer. Après, on entend que le carton il est plus beau que mon avis. Premier article qu'on a commandé, Tamagotchi. C'est un Tamagotchi. Si. Non, c'est un Tamagotchi, mes chéris. On n'arrêtait pas de voir ça sur TikTok. Vas-y, je vous mets à chaque fois, je vous mets les trucs, mais à chaque fois, je me suis dit, vas-y, il m'en faut un. J'ai régressé niveau mental, mais je me suis dit que de toute façon, on va l'utiliser. Donc voilà. Et pour ceux qui connaissent pas le Tamagotchi, c'est un truc de quand moi j'étais petit. Je te vois bien ce soir dans ton lit. On a rien à manger. Et pour la petite anecdote, quand j'étais petite, je n'ai jamais pu en avoir car mon beau-père, j'allais dire rip, mais il est pas mort, mais pour moi il est rip, car mon beau-père disait à ma mère, aussi intelligent soit-il, bah, je peux pas en avoir un, je n'aurais pas pourquoi elle en aurait un. Donc j'ai jamais pu en avoir un, donc là je me rattrape. Non mais en plus le mec avait limite 50 ans. Grave. Il voulait un Tamagotchi, c'est pour les enfants. Donc voilà comment il est, je crois que je l'ai payé 25 €. Là il y a la petite, il est trop beau, étiquette qu'on va remettre après du coup. Pour la vidéo. Chez Satanas. Regardez, il y a le petit animal qui vient de s'afficher. Il est en train de naître. Vous assistez à la naissance de mon petit Tamagotchi, on va l'appeler comment? Gérard. Je suis en train de donner la vie pour une troisième fois. Je suis en train de donner la vie. Quelle femme exceptionnelle je fais, franchement. Bref, il est en train d'éclore, mes chéris. Mais un Tamagotchi, voilà, on va l'accrocher. Un Tamagotchi, on va, faire de l'ASMR avec. Et on va l'élever. Donc voilà, si vous voulez suivre l'élevage, suivez-nous sur TikTok. Deuxième article. C'est trop mignon. Tiens, il le déballe le. Donc ça je crois que vous le connaissez déjà, donc on va y passer vite fait. C'est une mini machine à laver à Beauty Blender. Et nous on aime trop tout ce qui est miniature et du coup on voulait trop tester ça. Attention, il est sur les outils. D'ailleurs tout ça j'ai acheté sur Amazon, c'est non sponsor comme d'hab. Donc voilà, petite machine à laver. J'ai pris celle avec la petite fille kawaii dessus parce que c'était trop kawaii. Et là il y a le liquide de votre Beauty Blender qui sort. Il y a trop d'articles, c'est pour ça qu'on peut pas vous faire une mise en scène à chaque fois. Mais c'est pour ça que je vous mets des mises en scène TikTok à la place. Mais voilà. Ensuite, on a pris le Insta Mini 9. Donc c'est la caméra comme ça Polaroid. Attends, je la montre. C'est la caméra Polaroid que vous voyez partout, aussi sur TikTok. Franchement, on voulait... En fait, moi je m'en fous de l'appareil. C'est l'objet. C'est un bijou. Donc je voulais. Moi, je sais que Lilou, ça fait longtemps qu'elle voulait faire des photos avec. Oula, voilà. Oula, là. Il y a plein de trucs dedans. Il y a un stickers. Ah, trop bien. Il y a mon stickers. Et dis-moi qu'il y a du papier dedans. Hein? Dis-moi qu'ils ont mis du papier. Non, par contre, c'est des piles. Ok, mais il n'y a pas de papier pour faire des photos. J'en fais
Donc de base, il faut mettre le papier dedans. Et je croyais qu'il y en avait, mais il n'y en avait pas. On l'a pris en rose, la marque de la fabrique de la maison, tu connais. Par contre, là, je rigole vraiment pas. Je le vois, j'ai envie de chialer. Je vais pouvoir prendre des photos. Et mettre des beaux petits polaroïdes sur le mur, de trucs kawaii. Sur le mur du bureau. C'est pile pour qu'on entende le. Souriez. Sauf qu'il n'y a pas de papier. T'aurais été belle, tiens, sur cette photo. Ah, je te jure. Oui. Donc voilà pour notre petite paupière. On l'aime trop, il est trop beau. Bon, ma chérie, du coup, on passe au prochain article. Le prochain article, c'est un truc un peu plus bidon, mais que vous voyez partout sur TikTok. Et on les a trouvés. C'est... Déjà, le packaging, il est trop mignon. C'est quoi? C'est les petites soutes vertes, là, kawaii. Tous les comptes de gameuses américaines kawaii les ont. On va pas tout sortir parce que c'est galère à en mettre. Des petits dessous de verre comme ça. C'est des fleurs de sakura. Et mes chéris, à chaque fois j'essaierai de vous retrouver les liens, vous les mettre en barre d'infos, parce que moi j'y passe des heures à chaque fois pour trouver tout ça. Donc j'essaierai de vous mettre tous les liens Amazon en barre d'infos, sachant que tout est livré en 24 heures je crois, donc c'est trop bien. Non sponsorisé, je vous le dis, mais juste que j'adore ce site, j'y passe ma vie, donc voilà. Par contre ça pue, hein. Non, moi j'aime bien. Non, je pense que ça prend 2 secondes. Chut. Bon, du coup, ensuite, cette pâte, je sais pas si vous l'avez vue, je la vois partout en train de faire le buzz sur TikTok. Donc ça, c'est pas esthétique, enfin, c'est esthétique, on va dire, mais c'est pas kawaii, mais genre, je vous le mets quand même dans la vidéo parce que j'ai envie de le recevoir, le facteur vient de sonner, et que je me dis que c'est trop bien, donc je vous mets un extrait là-bas. En fait, c'est une pâte que vous pouvez utiliser pour nettoyer vos chaussettes, vos chaussures plutôt, vos chaussures, les gazinières, les trucs brûlés, genre les trucs trop durs à avoir, et cette pâte, a priori, qu'elle est... magique et qu'elle enlève vraiment tout, qu'elle voit vos chaussures blanches de ouf et tout. Et à vrai dire qu'elle est vraiment cute cette pâte, parce que je sais que c'est de la pâte pour nettoyer, mais regardez, on dirait de la crème glacée. On est d'accord, on dirait de la crème glacée. Ah, ça sent la fraise en plus. Non mais c'est une blague. Non, par contre ça c'est toxique vraiment. Donc voilà, it's tug on strain, it's tug tug a tugi tug, it's tug tug, it's tug. Bref, petite parenthèse. Je sais pas. Non, petit disclaimer. Un disclaimer. Alors, ensuite, des objets qui ont fait le buzz sur TikTok et qui sont trop cute. Franchement, mes chéris, c'est des buzzers pour communiquer avec les chiens. Jenji, en vrai, je vous mets une vidéo juste ici. Décale un peu les loups qu'on voit, tu vois. Mais arrête, je trouve ça. Enfin. Impossible, mais en même temps je me dis. Ça, tu peux déballer parce que je vais pas faire. Ça peut on vous met la démo, je vous mets la démo TikTok, mais on va essayer aussi avec nos chiens. Donc en fait, vous avez des couleurs comme ça. Le chien, vous mettez des petites étiquettes dessus où vous savez, genre friandise, promener. Genre, mon chien regarde comme ça. Promener, jouer, etc. Et le chien, à force de lui montrer et tout, il va cliquer sur ce qu'il veut vraiment. Et comme ça, vous pouvez communiquer avec votre chien. Mais c'est fait, chérie. Ça, moi et Lilou, on le voulait depuis longtemps. On s'est dit, c'est obligé qu'on va l'incorporer dans notre décor lieu dit kawaii. Je sais que c'est pas c'est à Divoom, comme ça. Et du coup, encore une fois, on l'a pris en rose. Mais déjà. Par contre, on en parle. Ouais, voilà. Regardez ce packaging. Après, j'avoue, ça coûte la peau du derche. Vraiment, je l'ai payé 89 €, je crois. Comment puis-je avoir l'honneur de le déballer? Non, en fait, ça fait des couleurs. Vous pouvez projeter des trucs pixels, genre même des kits. Vous pouvez même jouer dessus. Des trucs cute, vous pouvez jouer. DJ mixer. C'est un mini ordinateur moins élaboré, on va dire. Et en fait, il fait réveil, il fait haut-parleur. Réveil? Ouais. Déjà le packaging, encore une fois, il est trop beau. C'est ultra lourd, hein. C'est vraiment un bijou. C'est de la qualité, c'est pas un vieux truc en plastique. Moi quand je l'avais vu dans d'autres vidéos, je me suis dit vas-y, c'est un truc en plastique et tout. C'est un truc en fer, vraiment. Avec le haut-parleur qui est ici. Voilà. Là on l'a allumé. Donc là il fait réveil. Là vous pouvez monter le son. Là il y a l'espace musique, jeu, horloge. Enfin, je sais pas trop comment ça marche, faut bien regarder la notice, mais
Après vous pouvez en Bluetooth, du coup vous mettez l'application sur votre téléphone et après par votre téléphone vous lancez genre des dessins comme ça, Kirby, des trucs cute, des trucs kawaii et tout, et c'est trop trop beau. Genre poussillonne toute ma famille sort de ma bouche. En tout cas on le testera plus en profondeur et vous en reparlera sur les autres réseaux. C'est ça. Ça c'est pareil, on l'a vu partout sur TikTok, c'est une petite lampe comme ça. Et déjà elle est trop trop cute, qui va dire le contraire même. Et n'oubliez pas d'ailleurs de me dire, de nous dire dans les commentaires, tiens ouvre le tranquille, de nous dire dans les commentaires quel article vous préférez à chaque fois. Et c'est là je crois que ça va être trop difficile parce que tout est trop beau. Nous c'était vraiment tout des trucs qu'on voulait donc Pour l'instant moi c'est pour la rouille et le divou. Faut pas de pile. Bon après il y a le truc USB pour charger comme ça. Et là du coup c'est un petit dinosaure comme ça qui est trop trop beau. Oui on l'a pris en rose, oui. Oui, ne jugez pas, je vous ai déjà dit. Donc en bas il y a le truc à lumière. Là il faut le charger dans sa petite queue là. Bon du coup il faut le brancher en USB. Je vous montre ça juste après. Mais du coup il est trop mignon. Enfin c'est trop cute, c'est tout. J'ai rien de plus à dire. On dirait une veilleuse pour enfants de 3 ans. Mais nous on aime trop. Donc voilà. Ensuite du coup on a trouvé ça. Alors pareil ça je l'ai vu sur TikTok. T'es pas prête hein. Lilou elle l'a pas vu. Pareil ça ça m'a coûté assez cher. Mais regardez. Alors attendez. Toudou. Regardez le petit packaging et tout. Donc comme vous voyez ça ressemble pas mal au Divoom. D'ailleurs je croyais que c'était la marque Divoom. Et quand je l'ai reçu c'était Musen. Donc faut vraiment que je vérifie s'il n'y a pas une arnaque dans l'air. Mais voilà le petit emballage. Encore une fois. Ça compte les emballages, ça compte, je veux rien savoir. Et là, tada. Genre il y a une mini enceinte Bluetooth. Bluetooth. Je sais pas comment on dit. Donc là il y a encore tous les câbles et tout dedans, mais ça on s'en fout. Nous ce qui nous intéresse c'est cette petite enceinte. Elle est extrêmement lourde. C'est un petit bijou de fou. Regardez l'arrière. Regardez. Regardez les détails etc. Et du coup c'est un haut-parleur que vous pouvez mettre dans votre sac et tout. Sauf qu'elle va extrêmement fort. Donc là je l'ai allumé. Mais c'est de le relier. Lourd, hein. Mais c'est grave lourd. C'est de trop de bonne qualité. Le feu, c'est mon article préféré pour le moment, je voudrais savoir. Elle a un son, parce que je peux pas vous la mettre parce que je vais être démonétisée bien évidemment. Un son de ouf malade, c'est un truc de fou. C'est ouf, ouf. Et c'est quoi ce bouton? C'est un son de ouf, pouf, pouf. C'est quoi ce bouton là? Je sais pas, on regardera après. Elle tue. Archi validé. Ah bah là. I love that bitch. Tiens. Remets ça dedans. Mais chérie, du coup là, on va continuer avec ça. C'est trop cute, c'est trop cute. Par contre j'ai reçu l'emballage dégueulasse. Alors ce vendeur Amazon là franchement à éviter. Éviter. Parce que c'était crade, il y avait limite des toiles d'araignée dessus et tout. Je sais pas si vous voyez, c'est tout noir. Il y a des taches et tout. Je crois qu'il s'est torché les fesses avec avant de nous l'envoyer. Mais j'en voulais trop un et j'ai fait tous les sites possibles. Bon ça tu peux l'ouvrir. J'ai fait tous les sites possibles etc. Et j'en trouvais pas et il y en a resté un sur Amazon. Je crois que je l'ai payé cher aussi d'ailleurs. Les au moins 80€, bref, trop cher le truc. Alors que en vrai c'est pas une qualité de malade. Mais en fait pareil c'est pour que votre chien puisse du coup vous mettez les friandises dedans. On va vous montrer de toute façon. On va faire un extrait, on va voir la tête de nos chiens, ça va être trop drôle. Mais en fait là ici au dessus vous mettez les friandises. Là il y a un buzzer et vous devez apprendre à votre chien à buzzer lui-même sur le buzzer pour obtenir ses propres friandises tout seul qui vont descendre par ici. Tadam. Et du coup après il va, il se sert ses friandises comme il veut, il a besoin de personne, il vit sa life, voilà quoi. Et du coup on va tester ça. J'ai une grosse ventouse. C'est parti, on va tester ça et on se retrouve juste après. Alors là mes amours, j'ai installé la machine. Je lui ai appris depuis hier soir et regardez comme il est malin mon chien. Oui bébé, oui bébé, vas-y. Et voilà. Oui. Oh là. Donc ensuite on a pris des paniers comme ça. Je ne les avais pas vus Lilou.
Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, c'était une vingtaine d'euros, donc vraiment pas cher pour du Amazon. Pour mettre de la bouffe japonaise. Voilà, il y en a 5 et c'est pour mettre de la nourriture japonaise qu'on a recommandé. Vous savez qu'on adore ça. Plein de nourriture japonaise pour mettre dans un chariot. Et justement, on va pas en déblatérer 10 ans, ce sont que des paniers. Mais sauf qu'ils sont beaux. J'ai dit, ce ne sont que des paniers. Je commence à être de plus en plus poli. Tu m'as torché le genou. Pardon. Mais du coup, on a pris poil avec un nouveau chariot, une chariote du diable. C'est pareil que mon rose que je vous avais déjà montré dans une autre vidéo à esthétique, sauf que ici il est différent. Il coûte un peu moins cher et je vous jure mes amours, depuis que j'ai fait la vidéo, moi mon chariot rose j'avais dû payer 25 €. Et suite à la vidéo, j'ai reçu tellement de messages de personnes qui l'avaient acheté, que ce soit sur Insta, que ce soit ici sur YouTube, etc. Je vous jure, je reclique sur mon propre lien là parce que je voulais en reprendre un, parce que je voulais, parce que j'ai mis mon matériel de beauté dedans, donc j'en voulais un autre pour mettre ma bouffe. Et je vois quoi, il a augmenté à 39 €. Et il est en top vente, genre. Donc je me dis, est-ce que j'aurais pas un peu contribué? Hein? Qu'est-ce que tu crois que j'y ai contribué un peu? Sans prétention, bien évidemment, mais voilà. Donc le mec, il a fait un peu plus de ventes que d'habitude. Il s'est dit, quoi, Lilou? Il s'est dit, ouais, bon, vas-y, hein, je vais s'en peu pisser. Je vais envoyer balancer le prix. On va plus haut. On va augmenter 20 € plus. Mais en soi, c'est qu'un chariot, hein, mais il est trop trop beau. Je vous mettrai une image du chariot que c'est à côté parce que la flemme de le monter. Mais si vous en cherchez un, celui-là il est trop bien et il était un peu moins cher que l'autre. Par contre, il a l'air petit quand même. Mais pour mettre de la nourriture, c'est suffisant pour mettre à côté de notre bureau cabane. On va terminer avec la dernière chose et pas des moindres. Encore un divoum. C'est un divoum. Mais cette fois-ci, c'est celui-ci. Et pareil, j'arrêtais pas de le voir sur TikTok. Et franchement, c'est un truc que j'aurais même pas acheté de base. Mais genre, à force de le voir, il m'est rentré dans la tête en mode voilà, donc à force de le voir, il m'est rentré dans la tête. Et il me disait, ouais, je suis sûre que tu veux de moi, achète-moi et tout. Je me suis dit, vas-y, t'abuses, j'ai déjà trop dépensé. Mais il réclamait tellement que j'ai acheté. Et du coup, c'est pas grave parce que ça irait encore une fois dans le décor kawaii. Il sert de veilleuse, il y a les lumières qui peuvent se mélanger. C'est une enceinte. Ouais. Je connaissais même pas cette marque. Moi je voyais ça sur TikTok, je disais à Lilou, je sais pas, moi je tapais veilleuse Fortnite. Non. Hein. Fortnite. Ouais, je croyais que c'était une forme de Fortnite. Pas Fortnite. Among Us, je croyais que c'était ça, moi. Je croyais que c'était une lampe Among Us. Et rien à voir. D'accord. Oh, allez, là cette fois-ci c'est en plastique. Donc là il y a ça. Est-ce que t'as de la batterie? Bon, pareil, on peut pas l'allumer parce que ben il faut le charger avant. Mais pareil, hein, je vous montre ça sur TikTok et je vous mets un extrait ici sur Amazon. Mais en tout cas, on est trop content de l'avoir. Hein. Et charge. Il est trop beau, hein. Magnifique. Mes amours, j'ai oublié, c'est pas la fin de la vidéo, car il y avait aussi ça, du coup, qu'on a vu tourner partout sur TikTok. Je vous dis tout le temps ça, là, je crois qu'on a compris. Mais c'est un petit appareil photo comme ça, numérique. Du coup, vous l'avez en plusieurs couleurs. Nous, vous savez déjà quelle couleur on a pris. Et j'ai vu tout le monde en parler. À la base, c'est une caméra pour enfants. C'est une caméra pour enfants, mais il y a tous les influenceurs, j'ai vu même sur Instagram, qui l'avaient commandé. Donc je me suis dit, vas-y, on va tester ça. Donc ici vous avez la petite carte mémoire, tout est inclus dedans et ça coûtait pas si cher non plus. Là il y a la clé USB où vous mettez la carte mémoire pour mettre directement dans votre ordinateur. Donc le câble USB et le petit truc pour tenir. Et là il y a cette mignonnerie minuscule appareil photo numérique. Il est tout petit, regardez, contrairement à ma main. Il est vraiment petit. Et il va plus. Bon, c'est pour enfants, donc je pense que c'est solide. Il y a peut-être pas que... Voilà. Oh, welcome avec des petites hélicoptères et tout, regardez. Des petites hélicoptères. Oh. Ah, et là, vous faisiez... Oh, vous pouvez même filmer, il y a des jeux aussi. Écoutez. Vous avez une kiddy zoom. C'est trop mignon. On va tester avec vous, hein. Voir la qualité. Et mais ça va, la qualité, regarde. Je te jure, on dirait ton ancien appareil. Ah, vas-y, Lilou. C'est pas mal, hein. Franchement, mes chéris. Ok. Donc, non, franchement, pour un petit appareil comme ça, c'est pas mal. Bon, et c'est pas une qualité de fou, hein. Vas-y, tu peux te faire prendre une photo. Trop mimes. Oh, ouais.
Il y a un fond d'idole. Bref, mes chéris, tu as éteint le Lilou. C'est le feu. C'est trop mignon. Bye bye, il était écrit bye bye. C'est trop mignon, en plus je crois que ça coûte 20€, hein, donc vraiment ça coûte pas cher du tout. Il est où la boîte? Je l'aime. Je l'aime tellement, tellement fort. Que je vais la séquestrer dans ma cave. Donc voilà mes chéris, c'était le dernier article du coup de cette petite grosse. Mais vous inquiétez pas, nous allons revenir avec des bric-à-bras très mignon. Mais oui, venez à la cave de Mignon. Si tout va bien, demain on vous sort une autre vidéo. Donc on espère que ça vous plaira et que vous serez au rendez-vous pour la deuxième partie, mes amours. Si vous voulez pas la louper, ben abonnez-vous et activez la cloche de notification. En attendant, on vous fait de gros gros bisous. On vous aime très fort et on se retrouve très vite. Kirby. Ouais, du coup moi je prends mes bénéfices C'est mes bénéfices. C'est mes bénéfices. Mes bénéfices. Mais yeah. Ouais, c'est mieux.